وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وقرينه صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواب الكريم Mes frères et mes sœurs, ikhwa wal akhawat, on continue notre cours sur les règles concernant le jeûne. Le dernier cours que nous avons fait, on avait parlé du sahur, du dernier repas de la nuit, et l'importance de s'y tenir. Parmi les politesses et les recommandations et les sunnas, les traditions du jeûne, c'est de se dépêcher de rompre le jeûne quand son heure est entrée. Par exemple, si l'heure de Maghrib est bel et bien entrée, le soleil s'est bel et bien couché, et on voit le Mu'addin yatakhkhar. Le Mu'addin, il est en train de refaire l'oudro, il ne l'a pas encore, mais l'heure elle est entrée, c'est sûr. Alors il faut manger. Voilà, si on était dans un pays musulman, et qu'on est accroché à l'adhan, on attend l'adhan du Mu'addin. Sauf s'il est trop tard, et qu'on a vu que le soleil s'est bien couché, le prophète alayhi salatu wassalam, en voyage une fois, il avait jeûné et il a vu le soleil se coucher, il a rompu, il a dit donne-moi de quoi rompre. Les sahaba, ils ont dû dit comment ça? Attends, si on se lève debout sur les chapeaux, on voit encore peut-être un peu le soleil. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si la journée elle part par ici et la nuit elle arrive par là-bas, le jeûne est rompu. Non. En fait, Sarasim a dit, les gens ne cesseront pas de se porter bien dans leur religion tant qu'ils se dépêcheront de rompre le jeûne. Bien sûr, il faut être sûr que l'heure est entrée. C'est pas avec des doutes. Ah, peut-être que c'est l'heure, ils mangent. Non. Si l'heure de Maghrib est bel et bien entrée, fa'al-mu'ajjil al-fitr. Et donc la sunna aussi, c'est de rompre le jeûne, ce avec quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam rompait et de la manière dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait. Comme il est rapporté dans le hadith de Anas ibn Malik, il rompt le jeûne avant de faire la prière. Donc, la sunna, c'est de rompre d'abord le jeûne et de prier après. Et non pas de se dépêcher de prier tout de suite pour rompre le jeûne après. Voilà, ça ne veut pas dire par là, on prend le repas, on s'assoit, on mange, on prend le repas, après on fait salat. Là, on rompt le jeûne avec, comme il est venu dans les dates, dans le hadith, avec des dates fraîches. Les dates fraîches, c'est celles que vous savez, c'est pas celles qu'on a là, d'Egla. C'est pas ça, les dates fraîches. Les dates fraîches, c'est quand elles sont, quand on les achète, on dirait que c'est comme des pommes, elles sont toutes jaunes. Après, elles mûrissent, on les mange, elles peuvent pas rester longtemps, elles restent au réfrigérateur. C'est ça, longtemps. Donc, la sunna, c'est de faire le fitr avec un rutab, si on en a. Et si on n'a pas de dates fraîches, avec des dates, d'autres dates. D'Egla, ou quelle que ce soit la date. Et s'ils ne trouvaient pas des dates, il le rompait avec de l'eau. Et là, l'ordre dans, avec quoi on rompt, c'est quoi? Premièrement, noftir, on rompt le jeûne avant de prier. Deuxièmement, on rompt le jeûne avec un rutab, avec des dates fraîches. S'il n'y en a pas, avec des dates sèches, c'est-à-dire des dates normales. S'il n'y en a pas, avec de l'eau. Puis après, on peut manger. De même, on avait dit que dans le sahur, si vous vous rappelez bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le sahur, c'est bien de manger des dates aussi. D'ailleurs, il y a des médecins
ou des spécialistes qui ont analysé les dates et qui ont trouvé que la date, c'est un des rares éléments qui regroupe à peu près toutes les vitamines essentielles qu'on a besoin dans une journée. 160 calories, barakallahu fik. Et c'est pas seulement le côté calorique, mais même le nombre, c'est-à-dire les différentes vitamines qu'il y a dedans, elles sont nombreuses. Par exemple, il y a certains aliments où il n'y a que certaines vitamines dedans. Alors que dans les dates, il y en a plusieurs réunies dans une, alhamdulillah. Non. L'ordre du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous suffit. Mais ça, c'est « Mimbab al-hikmah wa ziyadat al-yaqin ala qawli nabi sallallahu alayhi wa sallam wa fi'ani. » De même que la sunna, c'est quand on rompt le jeûne de dire cette dua, cette invocation qu'on vient de dire. Et non pas l'autre qu'on entend des fois à la radio « Hadi da'if »« Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu » Ce hadith, il est da'if. Donc le hadith, après d'avoir mangé, pas en rompant. En rompant, on dit « Bismillah » comme n'importe quel autre repas. Voilà qu'il barde le filtre après avoir mangé les quelques dates, on dit cette dua-là. ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. Non. Ça veut dire quoi? ذهب الظما, la soif elle est partie, les veines se sont adoucies, parce que quand tu jeûnes, tes veines comme si elles étaient sèches. وابتلت العروق, c'est-à-dire elles se sont remplies. Hein, de sang et de comme si elles se sont liquidifiées. Hein, voilà. Et la récompense est bel et bien écrite, inshallah. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par le Bukhari, dans une journée où vous jeûnez, alors ne faites pas un rafath. Un rafath, c'est quoi? C'est le ma'asi en général, les péchés. Quand tu jeûnes, tu dois t'éloigner de toute perversité, toute parole malsaine, tout péché, toute parole mauvaise. C'est un entraînement pour que dans toute ta vie, tous les jours, tu t'éloignes de ces paroles-là. Ça ne veut pas dire que, quand le prophète a.s.w. a dit, si c'est le jour où vous jeûnez, vous ne faites pas de péché, vous ne dites pas d'obscénité, ça veut dire en dehors du jour de jeûne, tu as le droit. Là, et là ça veut juste dire, dans les jours de jeûne, mais ben, c'est encore plus important. Cette obligation est encore plus importante. C'est un entraînement. Non. De même que le prophète a.s.w. a dit, celui qui ne laisse pas le parler mensonger et le fait d'agir dans le mensonge, Allah n'a nul besoin qu'il laisse sa nourriture et sa boisson. Et là, quand on jeûne, on doit s'éloigner de toute parole obscène, toute parole malsaine, tout péché, tout mal, tout mensonge. Que la récompense soit bel et bien écrite auprès d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. De même que quand c'est le jour de jeûne, on doit s'éloigner de tout péché. Comme la médisance, parler sur les gens, le rire, le mensonge, les grossièretés, et toute parole ou tout acte qui peut déplaire à Allah. C'est pour ça que le prophète a dit, il y a des jeûneurs qui n'ont gagné de leur jeûne que la faim et la soif. Car tous ces péchés-là, ils font diminuer la valeur du jeûne. Et s'ils sont faits en quantité, ils peuvent faire partir carrément toute la valeur du jeûne. Et toute sa récompense. Non. Wa kadhalika ikhwat al-iman, ça rentre aussi dans le même chapitre. Barakallahu fikum. Il faut faire attention à ne pas perdre son temps pendant le jour de jeûne. À suivre le Moussalsalat à la télévision. C'est pas le moment de regarder le football ou là de. C'est le moment de faire prière, de lire le Coran, de faire des bonnes actions. C'est pas le moment maintenant de suivre la mode ou de suivre je ne sais quoi ou de regarder la télévision. Là, un mois. Quand il est passé, c'est fini. Tu ne pourras pas retourner jusqu'à l'année d'après. Si Allah est destiné de rester, wa illa, tu ne sais pas si tu auras encore un autre mois dans le Ramadan. Et ça a été rapporté des salaf salih, de certains sahaba, qu'ils faisaient pendant 6 mois de Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, fais qu'on atteigne le mois de Ramadan pour tout ce qu'il y a comme grande récompense en ce mois-ci. Enfin, donc il faut faire attention. Il y en a, le Ramadan, c'est quoi pour lui? Il passe ses journées à dormir pour pas sentir le jeûne. Ça se trouve, il rate même les prières. Et il passe ses nuits à traîner. C'est-à-dire, Ramadan, il fait encore peut-être plus de péchés qu'en dehors de Ramadan. Les nuits à traîner et à passer le temps. Tu vois des chefs-d'œuvre,
La journée, ah, il faut qu'on passe le temps. Le jour, la journée, elle est longue, on ne mange pas. Yallah, namchi Baris. Allez, vont à Paris. Et tu vas le jour, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font. En plein été, tu vas à Paris alors que tu es dans le jeûne de Ramadan. Qu'est-ce que tu vas faire? Tes yeux, ils vont aller où? Et de même, il faut faire attention de ne pas se fâcher et de se mettre en colère ou de se disputer pendant le Ramadan. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, si quelqu'un te provoque au combat, ou bien il t'insulte, dis, je suis en état de jeûne. Je suis en état de jeûne. La première que tu dis, c'est pour te rappeler toi-même, et la deuxième, c'est pour rappeler la personne qui est en train de te provoquer, que tu es en état de jeûne. Ma'asaf, on trouve la plupart des musulmans, ils sont plus nerveux pendant Ramadan qu'en dehors de Ramadan. Ramadan, si tu touches, tu dis quelque chose. خليني راني صايم خليني الله يرحم بابك خليني ولا ندير شي حاجه laisse-moi on dirait des fois si tu vas les nerver il va dire vas-y à cause de toi افطر طيب il va manger ou là il va boire devant toi باش هو غضبان اعوذ بالله normalement الصوم ça doit t'aider à faire ضبط النفس de tenir sur ton nefs de l'éduquer هذا يفعل صيام comme s'il le faisait c'est un fardeau. C'est pas en espérant la récompense auprès d'Allah, tabarak wa ta'ala. Non. Parmi les choses à faire attention, c'est de ne pas trop manger pendant les nuits de Ramadan. Si la personne elle jeûne la journée pour manger deux fois plus la nuit, qu'est-ce qu'il a gagné, miskin? Il va être fatigué le lendemain. Pour se lever pour le fajr, il n'arrivera pas. Pour faire le qiyam, tarawih, il n'y arrive pas. Pour travailler, il n'arrive pas. Pourquoi? Parce qu'il a rempli son ventre dans la nuit. L'estomac, toute la journée, il est resté vide. La nuit, il l'a rempli. Ça fait un contraste. C'est l'estomac, il est miskin. Il est fatigué. Et le prophète, alayhi salam, a dit, le fils d'Adam n'a pas rempli un récipient pire que son ventre. Dans un autre hadith, il a dit qu'il ne faut pas manger jusqu'à satiété. Et il a dit, mais si vraiment tu veux manger jusqu'à satiété, alors un tiers pour manger, un tiers pour sa boisson, un tiers pour l'air. Il a dit ça, si vraiment tu veux vraiment te remplir. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, les sahaba, ils mangeaient peu, déjà des fois s'ils trouvaient à manger. En sahur, je vous conseille, si vous voulez bien manger, surtout pour sahur. Sahur, mangez bien. Walkin futur, allez-y doucement, prenez quelque chose de léger. Sahur, si vous mangez bien, ça va vous aider à tenir le jeûne avec de l'énergie. Hein, par exemple, si vous mangez quelque chose de salé au sahur, un repas, pour tenir, alhamdulillah, avec énergiquement toute la journée. Et le futur, alhamdulillah, quelque chose de léger, une soupe. C'est pas si tu commences à manger des gros morceaux de viande et tout ça, là, tu vas avoir du mal à faire même de l'écran de tarawih. Après, tu dis, ah, l'imam, tombe-le ta'alim. Imam, t'es trop long. Pourquoi? Parce qu'il veut rentrer à la maison, il veut passer 2 heures devant la table et devant la télévision, au lieu de profiter du Coran. Allah. L'intelligent, c'est celui qui il mange juste pour survivre. C'est pas celui qui vit pour manger. Parmi les politesses et les règles à suivre pendant ce mois-ci, c'est la générosité. Le mois de la générosité. Car il a été rapporté dans le hadith sahih de Ibn Abbas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'était le plus généreux des gens. Et il était encore plus généreux pendant les mois de Ramadan quand il rencontrait Jibril alayhi salam tous les soirs et qu'il lui enseignait le Coran. Il lui enseignait le Coran. Et il était encore plus généreux min al-rih al-mursala que le vent qui amène le bien avec lui. Sallallahu alayhi wa sallam. La générosité, elle se fait bil-ilm, avec la science, en enseignant aux gens, avec le bon comportement, en étant en service aux gens, en les accueillant avec un sourire, avec les aumônes, en nourrissant le jeûneur, en donnant aux fuqara, aux masakin, aux muhtajin, les convertis, les gens qui sont seuls, les étudiants, on les invite à faire l'iftar avec nous, qu'eux aussi ils profitent, alhamdulillah, qu'ils ne soient pas seuls. Nah. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que man fattara sa'iman, celui qui donne le repas de rupture à un jeûneur, il a la même récompense
que le jeûneur la yankusu min ujurihim shay'an, son sang diminué min ujurihim shay'an, de sa récompense quoi que ce soit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné une vertu pour ceux qui jeûnent, qui donnent à manger et qui prient la nuit et qui disent des bonnes paroles. Il a dit alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il y a au paradis des chambres d'où on voit l'extérieur de l'intérieur et on voit l'intérieur de l'extérieur. Allah l'a préparé pour ceux qui nourrissent les gens, qui ont une parole douce avec les gens, qui suit le jeûne et qui prie la nuit alors que les gens sont en train de dormir. Donc, celui qui a ces fada'il, qui a ces choses-là, Allah Ta'ala lui a préparé ces ghuraf, ces chambres-là au paradis. Allahumma ja'alna minhum bi rahmatik. Et les pieux prédécesseurs parmi eux, il y en avait beaucoup qui ont sacrifié de leur repas de la rupture du jeûne pour le donner aux pauvres et aux nécessiteux et aux orphelins. Une fois Abdullah ibn Omar était chez lui, la seule chose qu'il avait, c'était son foutour à lui, sa nourriture pour l'iftar, pour lui. Et un miskin, il est venu demander à la porte, il lui a donné sa nourriture et lui, il n'avait rien pour faire l'iftar. Il n'avait rien. Non. D'ailleurs, Abdullah ibn Omar, il n'aimait pas rompre le jeûne tout seul. Quand il rompait le jeûne, c'était avec les fuqara, les masakin, les yatama, les orphelins, les pauvres, toujours. Il faisait ramener les pauvres, les orphelins et les nécessiteux autour de lui pour rompre le jeûne avec lui. Nous, on fait le gaspillage et on remplit à noir, min al-ta'am, plusieurs sortes. La yahtaj hada. Barakallahu fikum. Ne gaspillez pas l'argent et le temps. Les femmes, elles gaspillent leur temps dans la cuisine du matin au soir. Et l'argent, toutes ces sortes de nourriture. Pourquoi ? Faire quelque chose de sain, quelque chose de nécessaire pour. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, quelques bouchées ça suffirait pour faire tenir la colonne vertébrale du fils d'Adam. Il n'y a pas besoin de remplir, remplir, remplir. Mais au lieu de perdre comme ça l'argent et le temps, alhamdulillah, accueillir les gens, donner aux masakin, aux fuqara, aux gens qui ont la nécessité. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. وقل رب زدني علما